Monsieur Babou. Babou. N'est-ce pas, je porte la parole du président de la Chambre de métier. Donc c'est la Chambre de Dakar de... La Chambre de métier de Dakar. Oui. Dirigée par le président Elhadj Maganbaou. Et son vice-président, monsieur Gourgui Diop. Alors, au début, je vous souhaite la bienvenue. Et je vais vous demander le but de votre visite ici à Azemmour d'abord et après à El Jadida. Donc c'était une invitation ou bien une simple visite ou coopération, donc c'est dans quel cadre? Alors, la Chambre de métier de Dakar, dirigée par le président Maganbaou, était venue pour revisiter le partenariat qui liait la Chambre d'artisanat de Gaza et la Chambre de métier de Dakar. Il fallait signer un avenant pour s'adapter par rapport au contexte géopolitique de l'heure. Et dans ce sillage, nous avons été invités par la coopérative à venir faire un tour pour voir comment travaille la coopérative, comment s'organise la coopérative et ensuite aller à El Jadida. Le président est très honoré de l'accueil, n'est-ce pas, qui lui a été réservé par les membres de la coopérative, n'est-ce pas, a pris bonne note et essaiera d'arriver à Dakar, d'essayer de mettre en relation la coopérative avec les coopératives artisanales féminines au Sénégal pour voir dans quel sens, dans quelle mesure les deux coopératives pourront tisser des relations et développer des échanges, n'est-ce pas, qui vont au bénéfice des membres des communautés. D'après cette visite, j'ai remarqué une chose, c'est que vous avez été étonné par ces broderies. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé ces broderies d'Azemmour, Meknès, etc. Donc... Alors, nous avons été subjugués, émerveillés par la qualité et la quintessence, n'est-ce pas, de l'art avec laquelle les belles dames, n'est-ce pas, ont fait ces œuvres d'art, n'est-ce pas, et nous souhaiterions, à travers le partenariat qui sera noué entre cette coopérative et la coopérative que le président trouvera à Dakar, qu'on puisse faire des échanges qui permettront à nos braves femmes d'apprendre de leurs sœurs marocaines, n'est-ce pas, à faire de belles œuvres. Vraiment, c'est beau, c'est très joli. Vraiment, le président est très honoré. Donc, au nom de tout le monde, je vous dis, soyez les bienvenus. Merci pour votre visite. Le président vous remercie également de votre aimable attention. Merci à vous.